Salut tout le monde, c'est Or de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va faire suite à notre initiation à la machine La Cricotte. Et oui, on va pouvoir faire enfin notre premier projet. Aujourd'hui, je vous montre tout ce que vous avez à savoir pour pouvoir faire un projet de A à Z avec cette fameuse machine La Cricotte. Donc, on va pouvoir partir ça maintenant. Et pour le bien de ce vidéo, j'ai décidé de vous créer un fichier que vous allez pouvoir télécharger juste en dessous du vidéo. Le lien va être laissé dans la barre de description. C'est un que j'ai fait pour moi, mais je me suis dit que si jamais vous vouliez faire la même chose, eh bien vous allez pouvoir le faire. Pour toutes les autres amoureux et amoureuses de lecture, eh bien vous allez pouvoir télécharger le dit fichier et ensuite procéder comme moi à l'importation dans le Designer Space. Aujourd'hui, je prends aussi un vinyle tout simple, rien de particulier. Je fais une couleur. C'est comme moi, c'est dans vos premiers projets, c'est toujours plus agréable de commencer notre initiation à la Cricutte avec des projets plus simples. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout comment travailler avec Designer Space, comment faire couper, dans le fond, notre projet et comment défaire le vinyle pour ensuite pouvoir venir la poser. Je vais vous montrer aussi comment le thermocoller avec un fer régulier. On n'est pas obligé d'avoir la presse Cricotte nécessairement pour pouvoir faire les projets. Je vais essayer de vous parler aussi sur quel genre de tissu c'est préférable de faire. Bref, on va essayer de passer au travers de tout. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier vidéo que j'ai fait sur la Cricutte, c'est vraiment là un démystifiant la machine. Donc vous allez pouvoir aller voir, le lien aussi va être laissé juste en dessous. Ça va peut-être vous donner une bonne idée de ce qu'est la machine. Je montre aussi grosso modo comment l'utiliser, mais aujourd'hui on y va plus en profondeur, on va un petit peu plus loin. Et vous allez pouvoir donc être en mesure de faire un projet. Là, je ne sais pas encore, ça va soit être un tote bag, un sac réutilisable pour aller genre chercher des livres à la bibliothèque ou un coussin parce que j'avoue que quand je lis, j'aime bien avoir un coussin sur mes genoux pour pouvoir déposer mon livre. Mais bref, peu importe, le format que je vais avoir décidé va pouvoir fitter pour les deux. Naturellement, vous pouvez le faire plus gros ou plus petit. Je vais vous montrer comment choisir la grosseur naturellement sur le logiciel. Donc oui, il va y avoir une couleur au projet, mais je vais essayer de vous montrer quel genre de produit on peut utiliser pour faire les projets qui appellent Iron On, donc ce qu'on peut mettre avec un fer à repasser. Et le vinyle que moi je vais utiliser aujourd'hui, c'est pas lui de la marque Cricutte, il y en a plusieurs modèles. Et celui que j'ai l'acheté sur Amazon, il était vraiment pas cher et je l'ai pris noir, fait que j'ai pu me permettre de prendre une plus grande quantité parce que je pense que c'est la couleur que je vais utiliser le plus. Mais il y a beaucoup d'autres couleurs que vous pourriez vous procurer. Il y a aussi moi le Infusible Ink que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'essayer. Ça pourrait être une autre vidéo, puis on pourrait le faire sur un autre type de tissu pour essayer de faire quelque chose de différent. On pourrait même aller avec un design plus complexe, nous verrons. Mais pour aujourd'hui, on va utiliser le vinyle que j'ai acheté, que je me suis procuré sur Amazon. Tous les liens de ce que je parle aujourd'hui vont être laissés également dans la description juste en dessous, tous les matériels que je vais avoir utilisés. Le lien vers la machine aussi, je l'ai acheté directement sur le site Cricutte. J'ai vraiment magasiné pendant longtemps des rabais, puis essayer de l'acheter le moins cher possible. Puis étonnamment, c'est vraiment sur leur propre site que je trouvais les meilleurs deals. Ils viennent avec des ensembles aussi de base pour commencer avec des outils, avec du matériel. Fait que pour vrai, ça peut quand même valoir la peine là, de rester à l'affût de leur rabais à eux. Fait que tout de suite, on va pouvoir aller à l'ordinateur. Ça va être le départ de notre vidéo. Si jamais vous savez pas comment brancher la machine avec votre ordinateur, la vidéo démystifier la machine vous explique comment faire. Vous pourrez aussi aller voir, mais pour alléger la vidéo, on va tout de suite passer. Je vais tout de suite prendre pour acquis en fait que votre machine est installée et que vous l'avez jumelée avec le Designer Space de Cricutte. Et on va pouvoir tout de suite aller commencer le projet. Donc, on se retrouve à l'écran pour pouvoir aller planifier dans le fond ce qu'on veut pour notre projet. Il y a plusieurs façons d'avoir des fichiers pour la Cricutte. Je pense que sur Etsy reste la place où est-ce que vous allez en trouver le plus. Puis, bon, on voit que j'ai fait quelques petites recherches. La plus facile, le plus facile pour en trouver, ça va être de chercher tout simplement des fichiers SVG. Vous pourriez là, aller voir quelque chose de plus poussé, là, avec plus d'informations pour avoir quelque chose de plus en particulier. Mais une fois que vous avez CSV,
SVG, pardon, eh bien là, vous allez pouvoir avoir plusieurs fichiers. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais vous allez pouvoir aller en trouver de cette façon-là. Moi, personnellement, le mien, je l'ai créé sur Illustrator. Vous allez pouvoir donc, en cliquant sur le lien, seulement le télécharger. C'est un fichier PNG. Vous pouvez utiliser des fichiers PNG, des fichiers AI. Il y a plusieurs types de fichiers que vous pouvez utiliser. Mais bref, avec le PNG, vous allez pouvoir tout simplement télécharger celui-là pour le mettre sur votre ordinateur. Ensuite de ça, on va pouvoir aller chercher le logiciel de Cricut Design, le Design Space. Et on va pouvoir aller importer le fichier qu'on vient de trouver. Vous pouvez soit prendre le fichier qu'on vient de télécharger ou, comme je vous avais montré la dernière fois, vous pouvez également utiliser un fichier qui est déjà à la, dans le Design Space. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Naturellement, c'est américain. Donc, vous allez surtout avoir écrit en anglais quand vous avez des écritures. C'est pour ça, des fois, que c'est le fun de le magasiner un petit peu plus. Donc, une fois qu'on va être dans un nouveau projet, on va pouvoir tout simplement aller sur Upload. Upload, on va pouvoir soit une image ou soit pour faire comme un fond. Nous, on va y aller dans images. Puis quand je disais les fichiers que vous pouvez avoir, JPEG, GIF, PNG, PMB, SVG ou DXF. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec les PNG, un peu les CSV, mais honnêtement, là, beaucoup plus les PNG. Il n'y a pas de fond. Je trouve qu'ils sont plus faciles à travailler. Fait que, je vais venir marquer Upload image et je vais pouvoir tout simplement venir le glisser dedans. C'est un projet très, très simple qu'on est en train de faire. Il n'y a aucune complexité. Ceux là, qu'on va faire avec plusieurs couleurs, plusieurs détails, plusieurs profondeurs, reliefs comme ça ici, on va aller selon qu'est-ce qu'on est en train de faire. En ce moment, c'est un contraste seulement de noir. On va pouvoir y aller avec le simple. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur « Continue ». Et on va pouvoir accepter tout simplement le projet qu'on est en train de faire. Puis, ils veulent savoir si ça va être pour imprimer ou pour couper. On veut venir le couper. On va venir sélectionner, donc, « Cut image ». Et il va être donc dans notre nouvelle banque de données. Moi, on voit que ma banque de données est inspirée de Harry Potter. J'avais fait des tests. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Il y a quand même plusieurs... C'est quand même relativement difficile à faire, là, le fichier. Il y a certaines notions qu'il ne faut pas oublier. Fait que après plusieurs tests, là, j'ai finalement réussi à faire certains trucs. Aujourd'hui, on va y aller donc avec ce fichier-là. Il est quand même très, très gros. Fait qu'on va pouvoir le rapetisser. À moins que vous le vouliez aussi gros, mais ça serait très étonnant. Moi, j'ai un tapis de 12 par 12 et je veux que mon projet mesure 9 pouces. Vous allez voir, j'ai des chiffres à droite et dans le haut pour pouvoir venir rapetisser mon image à la grosseur que je veux. Je la voulais environ 9 pouces. Puis, je vais pouvoir venir la placer dans mon papier, sur, dans le fond, ce que va être ma planche. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mesurer. Je sais que moi, la planche que j'ai ici correspond à ce que j'ai à l'ordinateur. Mon logo en bout de ligne va être environ dans les 9 pouces. Fait que je vais venir me couper une partie de mon vinyle. Je vais venir le couper là, pour économiser le plus de papier possible. Fait que si je veux un logo de 9 par 9, j'ai pas besoin de couper bien, bien plus que 10 par 10. Fait que je vais venir placer... Oups, là, j'étais à 9 par 10. Je vais venir me placer pour être à 10 pouces par 10 pouces ici. Je vais pouvoir venir couper l'excédent. Bon, je l'ai coupé un petit peu croche. Il va falloir que je prenne en considération quand je vais venir tantôt placer à l'ordinateur. Comme ça ici. Moi, ces pièces-là, je les garde. Sont peut-être petites, mais honnêtement, on peut faire des trucs. Moi, j'avais besoin de moins que ça pour identifier les masques à ma fille. Fait que ça peut valoir la peine de les garder. Je vais venir prendre... ne venez pas avec la machine en tant que telle. Je l'ai procurée sur Amazon. Ça vaut quand même la peine d'avoir ce petit outil-là pour être sûr que ça soit bien collé partout sur le tapis. Fait que donc, quand je vais aller... Je vais retourner à mon écran, là. Puis je sais que je vais avoir besoin d'un 10 par 10... avec mon logo, je vais pouvoir le gérer dans ça ici. Je vais faire attention, là, tu sais, ici, là, j'ai peut-être un demi-pouce que j'ai coupé trop court, fait que je vais venir faire attention d'être à un pouce du bord.
dans le haut, mais étant donné que c'est un cercle, je sais que j'aurai pas vraiment de problème. Fait que mon papier est planifié, mon vinyle en fait est planifié pour quand je vais aller le mettre dans ma machine, je vais pouvoir retourner à l'ordinateur et m'assurer que mon logo va être placé à la bonne place. C'est ce que je vous suggère de faire, de commencer par placer le vinyle sur le papier de la grosseur environ que vous voulez avoir votre logo ou ce que vous voulez avoir comme design en bout de ligne, et après d'aller le gérer sur le design space pour vous assurer que ça va rentrer où est-ce que vous l'avez placé. Et là, j'ai oublié de le dire, mais de la façon que je l'ai collé, c'est sur la partie mate qu'on veut qu'on vienne couper. La partie qui est brillante, donc la pellicule, va être sur le collant du tapis, et le côté qui est mat, c'est ce qu'on va vouloir venir couper, donc c'est ce que vers ça que la lame va devoir être placée. Donc, une fois qu'on retourne à l'ordinateur, je vais m'agrandir ça un peu, et je vais venir me placer à... Moi, j'avoue que 75, c'est bien... C'est bien parfait. Je vais mettre ça à 75, bon, 75% ici dans le bas pour pouvoir, là je me souviens que moi mon noir va être de 10 par 10, fait que je vais vouloir placer mon logo pour qu'il rentre dans ça justement, dans le 10 par 10. Et ici je devrais être bien, je suis à mon 10 pouces ici, 10 pouces ici, je me laisse de l'espace un peu partout, je sais que ça va bien aller. Fait que ça, je vais pouvoir aller tout de suite le couper. C'est tout simplement ce qu'on a à faire pour l'instant. Il y a d'autres choses qui sont importantes, mais c'est ça qu'on veut. Là, ah ben regardez, il a replacé mon image, fait que je vais venir la replacer pour m'assurer, mais même si je l'avais laissée à l'autre, là, ça va être un petit peu plus précis ici. Juste comme ça. Mon papier, je marque que c'est bien 12 par 12. Donc, j'ai un tapis 12 pouces par 12 pouces. Et très, très, très important, il faut activer l'effet miroir parce que on va couper sur l'endo du projet. Donc, on va vouloir que sur l'endroit, ben que ça soit écrit à l'endroit. Quand c'est quelque chose qui n'est pas symétrique et surtout quand on a de l'écriture, c'est super important à faire. Je le veux seulement une fois. Fait que je vais venir couper. Je vais attendre que mon appareil vienne se connecter Bluetooth. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Fait que là, étant donné qu'il a déjà été synchronisé, ça me prend quelques secondes là, avant que la machine soit détectée par le logiciel. Et voilà. Fait qu'une fois que c'est connecté, je vais pouvoir aller choisir mon matériel. Beaucoup de matériel qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous, on travaille avec le Iron-On. Moi, ce que j'ai hâte de faire, c'est le Invisible Ink. J'avoue que ça va être très intéressant. Si jamais on veut couper du tissu, on peut venir choisir le genre de tissu qu'on a. On va avoir aussi le vinyle et le papier qui va être utilisé quand même fréquemment. Pour aujourd'hui, on va y aller avec le Iron-On. La pression, je vais la laisser par défaut. Ici, ils me disent exactement qu'est-ce qu'il faut que j'utilise. Fait que j'ai pas besoin de rien mettre dans la pince A. J'ai besoin de ma pointe fine. C'est déjà ce que j'ai dans mon B. Et une fois que ça va avoir été sélectionné, je vais pouvoir venir peser sur ce petit bouton-là pour pouvoir mettre mon tapis dans ma machine. Donc, à la machine, je vous avais dit, dans la pince A, on avait besoin de rien. Dans la pince B, c'est là qu'on met la lame. Fait qu'une fois que ça c'est fait, je m'assure d'être bien dégagée à l'arrière parce que mon tapis va devoir aller jusque-là. Je m'assure que mon tapis, le noir, là, j'ai bien collé avec le petit rouleau. Et je vais venir peser sur mon bouton avec la flèche. Il va venir, dans le fond, installer le tapis dans la machine. Et une fois que ça va être fait, mon bouton avec le logo de Cricut va apparaître. Et je vais pouvoir venir cliquer dessus. Et le projet va pouvoir commencer à se couper. C'est pas un projet qui est très très long à couper. Vous allez avoir quelques secondes seulement à regarder la machine faire sa magie. Donc, une fois que le projet finit d'être coupé, je vais pouvoir peser sur mon petit bouton avec mes flèches et conserver le tapis comme ça ici. À l'ordinateur, eh bien, on a terminé. Donc, on va pouvoir tout simplement cliquer sur « Finish ». On va nous ramener au projet en tant que tel. Vous pouvez le sauvegarder si c'est quelque chose que vous voulez refaire. Je voulais quand même vous montrer, j'ai une version ici du projet, mais en CVG. La raison pourquoi ça peut être intéressant de travailler avec ces fichiers-là, c'est qu'on peut y aller une lettre à la fois, et une ligne en fait même à la fois. Quand on regarde ici, là, j'ai la poignée de la tasse. Fait que si jamais vous ratiez quelque chose, vous voudriez refaire juste le « i », refaire juste une feuille, vous
voudriez rajouter des feuilles à la limite, vous pouvez juste venir vous couper ces lignes-là. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez venir faire, vous voulez juste refaire une lettre, ou si ça peut être ça. Fait honnêtement, ça peut être intéressant aussi de travailler avec les CVG ou aussi quand on vient couper avec plusieurs couleurs différentes. Mais pour aujourd'hui, étant donné que c'était quand même un projet relativement facile, je le faisais avec mon PNG. Je vais vous laisser aussi le fichier CVG si jamais vous voulez avoir le fichier SVG, pardon, si jamais c'est ce que vous voulez. Mais sinon, là, en bout de ligne, là, la coupe se fait de la même façon. C'est juste que vous avez un petit peu plus de précision d'aller travailler dans les détails avec le SVG. Fait qu'ensuite de ça, on va se retrouver à la table de travail. À l'ordinateur, on a terminé. Ce qu'on va faire en ce moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire, en fait. Le terme en anglais, c'est « weed ». Je sais pas exactement, je me souviens pas c'est quoi le terme en français. Je vais essayer de le retrouver. Mais on va venir enlever, dans le fond, ce qu'on veut pas qu'il se retrouve dans notre design en bout de ligne. Fait que je vais juste venir m'assurer que tout est bien collé. Juste parce que ça va venir m'aider en bout de ligne. Je vais essayer de pas trop mettre mes doigts là où ça colle, parce que sinon, on va avoir quand même de la difficulté là, à gérer tout ça. Ça colle quand même beaucoup. Fait que je vais venir prendre aussi mes petits ciseaux, les petits ciseaux Cricut. On va avoir besoin d'une bonne lumière quand on fait ça. J'aime bien avoir une bonne luminosité, parce que c'est ce qui va faire en sorte que je vais être beaucoup plus précise dans ce que je veux faire. Il y a des lignes que je veux pas enlever et qu'on voit pas toujours très bien, qui sont plus difficiles du moins à voir. Je vais venir avec mon petit crochet, comme ça ici. Enlever tout le noir que je ne veux pas dans mon design au final. Puis je garde mon ciseau pas loin parce que je vais vouloir y aller section par section, parce que j'ai quand même beaucoup de noir sur que je vais vouloir enlever. Plus vous auriez fait un design petit, plus moins vous auriez eu de perte de noir, naturellement, de perte de vinyle en fait. Et là, ben, c'est un travail méticuleux. Je vais aller beaucoup en accéléré, m'arrêter là où est-ce que je vais vouloir peut-être vous donner plus d'informations concernant la technique. Mais c'est vraiment long et il faut vraiment, vraiment être minutieuse, parce qu'on veut pas enlever ce qu'on veut avoir dans le design en bout de ligne. Il y a des sections qui vont être plus difficiles, les lettres vont être particulièrement difficiles à faire, surtout... Là, je l'ai grossi, il devrait être moins pire, mais le point du i, c'est important qu'il reste bien collé, il ne faut pas l'enlever. Les trois petits points également, c'est important de faire attention quand on va arriver là. La pointe de certaines lignes aussi. C'est sûr qu'il y a certains designs qui vont être plus difficiles que d'autres. Aujourd'hui, on n'y va pas là, nécessairement dans la facilité absolue en termes d'enlever là, le vinyle, parce que il y a des lignes quand même fines. Ce qui fait en sorte que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mettez-vous une petite émission ou de la musique là, pour vous aider à passer le temps. Puis on va faire ça ensemble là, en prenant bien soin de prendre notre temps. Donc là, j'arrive aux trois petits points. Je prends vraiment mon temps. Puis avec mon petit crochet, là, quand je tire, je vois que le point veut suivre. Fait que je mets mon crochet sur le point. Vous voyez, là, je viens de le perdre. Et voilà, je l'ai eu. Fait que j'essaie de le remettre le plus possible où il était. L'autre, je suis pas pire. Je vais faire attention au point du i. Puis après ça, là, je vous dirais que dans les lettres, c'était pas mal ça la complexité là, à faire attention. Après ça, là, les lettres, j'ai fait tout le pourtour. Mais pour le E, le Q, le A... c'est des lettres qui vont avoir besoin qu'on enlève au centre également. Il y a une toute petite partie à enlever. Fait que je vais venir avec mon petit crochet encore une fois enlever ça. Je
c'est ici, puis je vais pouvoir continuer à venir enlever ce que je veux enlever dans le restant, donc dans le livre et dans la tasse. Ce que je vous suggère, c'est de garder à l'ordinateur l'image de notre image. Comme ça, vous allez savoir où est-ce que vous voulez pas avoir de noir, puis où est-ce que vous voulez. Fait que toutes les lignes noires, vous les voulez naturellement. Fait que dans le fond, ce que vous voulez enlever quand on est un peu mélangé, eh bien c'est quand vous le voyez à l'ordinateur que c'est blanc, vous l'enlevez, puis ce qui est noir, on le garde. Fait que ça, c'est enlevé. Je vais pas enlever le plastique de sur mon tapis. Vous allez pouvoir regarder de l'autre côté. Ça va vous donner une bonne idée, voir si vous avez bien fait votre travail. Puis si jamais vous remarquez qu'il y a quelque chose qui marche pas, oups, vous allez quand même pouvoir venir continuer à le faire. Faites juste attention de ne pas faire comme je viens de faire pour pas que ça colle à quelque part. Mais sinon, on va pouvoir aller chercher le tissu sur lequel vous voulez faire le projet et le fer à repasser qu'on va pouvoir aller brancher. Également, une pâte mouille, ça peut être une excellente idée. Fait que moi, je suis allée chercher une pièce de cotonnade, de coton, en fait, non blanchi, du coton jaune que j'appelle. Toute fibre naturelle vont beaucoup mieux accepter le vinyle que toute autre fibre. Sachez que ça se fait quand même très bien là, sur des tissus synthétiques, mais ça tient beaucoup mieux, ça adhère beaucoup mieux sur les fibres naturelles, que ce soit comme en ce moment une toile de coton, de la cotonnade, même du jersey de coton, ça pourrait quand même bien fonctionner, même si c'est extensible. Mais là, on se tiendrait peut-être quand même plus loin de la flanellette. La flanellette, le problème avec ce tissu-là, c'est que c'est un peu pelucheux. Fait que le vinyle va avoir de la difficulté à adhérer avec un tissu aussi irrégulier, qu'on pourrait dire, comparativement à un tissu tissé ou même encore un jersey, que c'est d'un tissu malgré tout très régulier. On pourrait donc pas le faire sur de la flanellette, pas le faire sur de la feutrine, encore là même du rib, de la rib là, qu'on met dans le bas des manches de coton ouaté, même si c'est en coton puis c'est du jersey de coton, étant donné qu'il y a genre un relief, on aurait aussi de la difficulté à venir adhérer ça de la bonne façon. Si vous voulez faire comme moi, je vous conseille donc de prendre un tissu très de base, par exemple une cotonnade, pour du moins vos premières expériences, ça pourrait être plus facile. Là, j'avais oublié de vous montrer, mais le vinyle, c'est celui-là ici. C'est un vinyle de la compagnie XP Care. J'ai acheté le 12 pouces par 15 pieds et c'était tout simplement noir et j'ai regardé et je savais que ça allait bien fonctionner avec la Cricut parce que ça me dit exactement avec quelle machine ça allait fonctionner. Il explique aussi comment chauffer, comment l'installer, mais je vous avouerai que c'est des techniques quand même de base, fait que je vous conseille peut-être de le faire avec le mien. Mais il y a quand même des précautions à prendre. Quand on va venir installer notre vinyle, on ne vient pas mettre de vapeur sur notre fer. Fait que moi, c'est quelque chose que je vais venir enlever complètement. Puis théoriquement, quand on va venir le faire, une fois qu'on va venir apposer le logo, on va attendre 24 heures avant de venir le laver pour être sûr là, que ça a bien refroidi, donc bien adhéré. Donc moi, la première étape que je viens de faire, c'est de réchauffer l'endroit où est-ce que je vais venir le faire. Là, pour l'instant que je mets de la vapeur, c'est pas bien grave parce que j'ai pas mon plastique en dessous. Mais je vais quand même faire attention. Et là, je vais venir réchauffer. Je reste quelques secondes un peu partout, m'assurer que le tissu sur lequel je vais venir mettre mon vinyle est assez chaud pour pouvoir le recevoir. Fait que je vais venir réchauffer un peu partout. Puis là, on va venir installer le vinyle. Naturellement, on essaie de venir l'installer le plus droit possible. Il va peut-être être un peu plus difficile étant donné qu'il est rond. Je vais venir l'apposer sans mettre trop de pression. Je vais venir m'assurer que j'ai à peu près là, la même distance dans le haut et dans le bas et de chaque côté. J'ai 4 et un quart dans le haut, 4 et demi ici. Fait que je vais le monter juste un petit peu, juste pour dire. Je vais venir faire les côtés. Puis c'est un rond, fait que je peux me fier à l'extérieur. J'ai 4 et demi. 4 et un quart, fait qu'encore une fois, je vais le tasser un peu. Je devrais être pas pire ici. Fait que là, il est déjà chaud. Je peux tout de suite venir la poser tranquillement comme ça. Ensuite de ça, je vais venir prendre ma pâte mouille. Puis je vais venir placer mon fer par-dessus. Et au même titre que l'entoilage, là, je le vois en plus au travers, je vois mon design, ce qui va m'aider à vraiment passer partout. Bref, au même titre que l'entoilage, je vais laisser mon fer déposer les 10 secondes nécessaires. Et après ça, je vais le soulever et le déplacer pour aller faire tout mon logo ainsi. Donc, environ 10-15 secondes là, que je vais laisser mon fer à repasser.
une fois que j'ai fait partout, je vais venir enlever seulement ma pâte mouille. Je vais venir voir. OK, ça a l'air quand même bien. Je vais laisser quelques petits coups en ça encore juste pour être certaine. Puis après ça, je viens pas tout de suite enlever ma pellicule. Je vais venir enlever tout ça de ma planche à repasser. Puis je vais venir le laisser refroidir juste un petit peu. Pas complètement. Mais de toute façon, le plastique est tellement chaud que vous pourrez pas venir nécessairement l'enlever de toute façon. Fait que je vais enlever ma pâte mouille. Je vais venir enlever mon tissu, ma planche à repasser. Je vais venir le laisser refroidir un petit peu. Donc là, une fois que ça va être assez froid, je vais pouvoir venir enlever le plastique doucement. Puis si je vois là, qu'il y a quelque chose qui lève, un coin qui ne suit pas, je vais tout de suite venir le replacer puis remettre un peu de chaleur. De changer la direction du plastique. Ouf! Ouais, ici, je ne l'avais pas fait assez. Fait que si j'avais pas mis assez de chaleur, je vais venir me replacer. Puis en remettre un petit peu. Les lignes fines du livre là, vont être un peu plus difficiles. Fait que là, il y a le U aussi qui n'avait pas bien adhéré. Je vais venir me replacer. Puis de toute façon, si jamais j'avais réussi à tout faire d'un coup, je vais, quand l'étape suivante est quand même nécessaire, je serais quand même venue mettre ma pâte mouille sans le plastique, puis je serais venue le réchauffer aussi. Fait que je vais commencer juste par faire le U, puis après ça, je vais venir, après l'avoir enlevé, je vais attendre que ça se refroidisse, je vais pouvoir venir enlever pour le plastique pour mettre le U, puis après ça, revenir passer partout avec la pâte mouille et mon fer. J'aime ça aussi, prendre le petit rouleau, puis quand c'est encore chaud, juste venir mettre un petit peu de pression pour aider là, les parties où est-ce que ça l'a pas bien collé. J'ai repassé le fer sur le projet une fois qu'il était terminé, avec la pâte mouille naturellement, juste pour être sûr que tout vienne se solidifier et que tout soit bien collé. Sachez une chose, c'est que là après je vais pouvoir faire coussin, sac réutilisable, peu importe, mais je dois le laisser refroidir et honnêtement, ils disent 24 heures avant de le laver. J'attendrai aussi avant de faire quoi que ce soit. Comme là, mettons, ça va devenir un projet éventuellement. Je vais le laisser à plat pendant quelques heures, pour plus d'être 24, là, peut-être une heure ou deux, être sûr que tout soit bien correct avant même de commencer un projet quelconque avec ce design-là. Il y avait une petite complexité dans le projet que j'ai fait finalement après l'avoir exécuté. Je vous dirais qu'il y a des lignes qui sont quand même très très minces, très petites, qui fait en sorte que c'est peut-être plus compliqué à faire. Il y a des projets plus faciles qu'on pourrait faire si vous allez tout simplement soit chercher des SVG gratuits, essayer de faire la main avec la machine, des plus petits projets aussi, là il est quand même gros 9x9, là. Vous pourriez prendre quelque chose d'un peu plus petit pour vous faciliter la vie là, pour la première fois, que ce soit pour enlever ce qu'on a enlevé avec le petit crochet ou encore pour le chauffer. Ne serait-ce aussi qu'on travaille avec un fer à repasser de maison en ce moment, et non la Easy Press que eux autres nous suggèrent. Eux autres semblent avoir aucune difficulté, jamais, avec la Easy Press pour pouvoir faire leur projet. Avec le fer, bon, à chaque fois, il y a tout le temps des petites places où est-ce qu'il faut que j'aille faire des retouches. Peut-être qu'éventuellement, je vais investir dans la Easy Press, mais on ne se cachera pas que c'est quand même beaucoup d'argent pour une seule utilisation. Mais si je prends mon temps, qui est quand même la clé du succès, je vais être capable en bout de ligne de venir thermocoller ce que je veux thermocoller. La prochaine étape, ça va être de tester le Infusible Ink, qui semble être quand même très intéressant, mais j'ai hâte de voir si ça se pose bien avec le fer régulier. Tout ce qu'on a vu durant la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je vais vous laisser dans la boîte de description en dessous les liens, que ce soit vers les produits, les matériels, autres vidéos ou même le document PNG du design qu'on a fait aujourd'hui. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez laisser commentaires, suggestions ou questions en dessous. Je vais essayer d'y répondre et cliquer j'aime si jamais ça a été le cas. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.